L'école du Chemin Neuf, à Cougéricourt, a ouvert ses portes en 2013 pour permettre aux enfants des villages alentours de se former, allant jusqu'au bac ou choisissant une filière professionnalisante. Elle a pour objectif d'ouvrir une nouvelle classe chaque année. Le financement de la vie scolaire se fait en partenariat avec les familles. Les parents tentent de payer la scolarité, soit avec le peu de moyens financiers dont ils disposent, soit en apportant des sacs de céréales. On a des enfants qui ont vraiment des grandes capacités, des grandes potentialités, mais parfois on ne sait pas tirer les meilleurs de chacun pour l'aider à avancer. Donc voilà, aujourd'hui, la dynamique c'est ça, c'est trouver les moyens de les aider à vivre ensemble, de les aider à travailler à la fois en groupe et à la fin individuellement pour que chacun puisse prendre leur autonomie aussi dans le travail. C'est qu'on essaie aussi, c'est de faire passer les messages de la foi, d'aider l'enfant à vivre dans le respect de l'autre, d'aider l'enfant aussi à travailler pour la paix, d'aider l'enfant aussi à avoir un rêve, voilà, à espérer au-delà de toute espérance. Apprendre à vivre en société et à se sentir citoyen de ce pays aussi pour travailler un jour pour ce pays. Et ça commence maintenant, ça commence ici. La communauté fournit les repas du midi et le suivi médical des enfants au centre de santé Saint-Luc. Au Tchad, le coût total d'une année scolaire pour un enfant revient à 150 euros. Les familles sont très pauvres. À peine 40% d'entre elles peuvent payer les frais de scolarité. Pour permettre aux enfants de continuer à rêver d'un avenir meilleur, nous avons besoin de votre soutien.